Hey, salut à tous. Eh bien, bonsoir. Bonjour. Rebonsoir. Bonsoir les amis. Nous sommes présents ici pour faire du Yu-Gi-Oh. Comme vous le voyez ici avec mon Neos géant, héros des éléments, eh bien, je vais jouer le deck Neos. Tout simplement, je vais jouer contre Jiraiya aujourd'hui, hein, vu que Zulu n'est pas encore revenu. Exactement. Il reviendra très certainement bientôt pour nous affronter, pour se faire battre. Et aujourd'hui, on a un nouveau arbitre, un nouveau judge, puisque Yori est en vacances. Donc normalement, il nous entend. Light Phoenix, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que ça marche? Oui, je vous entends très bien. C'est fabuleux, quelle voix. C'est parfait. Donc voilà, il est nouveau, donc il aura peut-être des fois un peu de délai sur l'affichage des cartes. De toute façon, on n'affiche pas toutes les cartes, on affiche surtout les cartes qu'on ne connaît pas. On met le chat, les amis, je passe devant la cam. Et voilà, donc il est là pour nous aider s'il y a des soucis de règles. Et voilà, et puis on est parti, on va faire quelques petits duels, quoi. Voilà, c'est parfait. Alors Xavier, est-ce qu'on dit les decks qu'on a chopés là Moi j'ai Neos et toi je sais pas. Je crois que c'est un deck burn avec la chance que j'ai eue. Non mais j'ai pris vraiment, deck burn mais le deck magie. Oui. Voilà. Bah, après vous savez moi mes decks signatures c'est les deux decks burn hein, donc voilà. Oui les decks signatures. Tout oui, les decks. Simplement, ouais, bah, je suis dans la signature tout simplement. Ça va être très sympathique. La semaine dernière, si je ne m'abuse, aucune victoire de ma part. Je crois bien. Si. Après. La dernière. Ah oui, la dernière, exact. C'est la dernière où on a attendu que tu pioches 27 cartes. 27 cartes, sinon, parce que tu ouais, donc aucune victoire de ma part. Non, mais. Xari étant bien trop sympathique. Attends, peut-être un 6. En plus, d'ailleurs, j'ai vu que j'avais fait une erreur d'ailleurs sur le tout dernier duel. Ah. En gros, tu sais, ça se détruisait et tout, mais en fait, ce que j'aurais pu faire, c'est annuler, invoquer le dragon et avec la perceuse. Et le robot guerrier refaire un dragon, enfin j'aurais pu faire des trucs. J'aurais pu faire des trucs, mais tu ne l'as pas fait. Et je vais faire une petite photo pour Twitter. C'est une photo de mon ami Xari, juste une photo de toi, comme disait un grand chanteur. Voilà. Et allez. C'est tweeté. C'est parti. Et là, moi je joue. Mais, du coup. Mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah, d'habitude ça me met la photo, tu sais, et là ça m'a proposé de tweeter. J'ai cliqué sur tweeter, donc j'ai tweeté une photo de Xari qui tient les cartes. Bien, c'est absolument fabuleux. Donc tu commences, je présume. Bah, j'ai commencé et je vais directement piocher. Mais putain! Elle est à l'envers, la zénithale, donc voilà, il faudra juste faire gaffe. C'est moi qui suis à l'endroit. Ah oui! C'est pas grave. Hola de la Codicia. Tu peux la tourner, vas-y, je t'en prie. Prends ton temps, mets le plan large au pire pendant que tu tournes pour pas donner le vomi. Ah oui, mais du coup, il va falloir tout modifier, je crois. On va voir, vas-y, tourne et on verra. Tourne tranquillement. Je joue Neos, hein, le deck Neos, héros des Elementas. Et voilà, donc c'est assez dingue. C'est assez stylé, je vais pas vous mentir. Et alors, on a pas de nouveau deck pour l'instant. Non, car, non, Zulu qui s'en occupe. C'est Zulu qui les fait, les nouveaux decks. C'est ça, donc on attend son retour avec impatience et on l'embrasse très très fort. Notre ami Zulu. Alors, mais pourquoi Ah ouais, d'accord, c'est comme ça maintenant les photos. Vas-y, affiche. Vas-y, hein. Yes. Ah oui, donc on est là. Son Xari. On est là-bas en fait. La patte de l'expert. Du coup, il va falloir tout refaire. On est peut-être un peu con, on aurait peut-être dû le laisser à l'envers. Bah, on aurait juste dû changer de place en fait, toi et moi, et puis c'était bien plus simple. C'est à peu près correct. Ici. Et moi, je me décale un peu. Oui, mais pour être un peu plus en face. Ouah, écoute, moi, ça ne me dérange pas de jouer comme ceci. Attends. Je vais juste, du coup, remettre le décor derrière toi pour qu'on soit bien. Attendez, les gars, j'ai une question pour le chat qui a rien à voir avec Yu-Gi-Oh! Mais là, Twitter, c'est quoi ce bordel? J'ai marqué, ouais, machin, et maintenant, toutes les photos, on est obligé de marquer comme ça, là? Je sais pas. C'est éclaté au sol. Fais ça et on verra plus tard. Chier, merde, casser les couilles. Du coup, au-delà de la codicia mes couilles, donc pot de cupidité. Ouais, exactement. Je joue Chris, héros des éléments. Je le connais bien celui-ci. Mais je ne fais pas son effet, je vais dire à toi. Voilà. Oh, Xari. Je vous coupe deux secondes pour vous dire que l'extra deck devrait être face cachée maintenant. C'est vrai, mais on le met face visible pour que les gens puissent apprécier tout simplement. Les magnifiques artworks et aussi parce que j'avoue que je dois le lire pour voir quels sont les mobs que je peux invoquer. Mais oui, il est vrai que normalement c'est informer la populace. C'est ça. Alors du coup, bah c'est à toi, mon ami. J'ai combien de cartes en main pour pas tricher? Ouais, non, c'est bon, j'en ai 6. C'est donc validé. Je t'en prie, mon pote. C'est bon, j'ai pioché. Mon cher Xari. Mon cher Xari, je vais tout simplement, c'est une carte face cachée, voilà.
pas se cacher. D'accord. Très bien. Et je vais jouer Messager de paix, qui est une carte magie assez intéressante puisqu'elle me, enfin, elle permet tout simplement de, aux monstres qui ont avec minimum 1500 d'attaque, hein, de ne pas déclarer d'attaque. Tu ne peux pas déclarer d'attaque avec des monstres qui ont un minimum de 1500 d'attaque. Et durant chacune de mes standby phases, je dois payer 100 life points ou détruire cette carte. Donc, ce qui est relativement correct. Je vais également jouer le Wave Motion Cannon. Tu connais bien. Cette carte, en gros, à chaque. Alors, c'est à quel moment? C'est durant ma main phase. Je rajoute un. Comment on dit? Un compteur. Et ouais. Puis, je fais autant de fois que je le veux, bien sûr, à chaque main phase. Et si je l'envoie au cimetière, pour chaque. Je perds mes mots ce soir, c'est assez grave. Stand by phase, ouais, exactement. Je gagne 1000. Je peux l'envoyer, ça a 1000 points et je t'inflige ces dégâts, tout simplement. Je vais dire fin de tour, Xari. Ah. Non, je ne fais rien, j'explique que je vous ai fait la carte. Alors, j'ai une question du coup pour notre judge, puisque la dernière fois on ne savait pas. Si je mets deux prismes sur le terrain, oui. Je peux utiliser l'effet de chaque prisme une fois, ou pas? C'est ça. Donc je peux utiliser prisme pour qu'il se transforme en un truc, et un autre prisme pour qu'il se transforme en un autre truc. C'est ça. Ok, parfait. Ah ouais, c'est fou. C'est magnifique. Et bah du coup, je vais invoquer prisme, héros des éléments. Bravo. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner Néos des tempêtes, héros des éléments en tant que monstre de fusion depuis mon extra deck. Je te le révèle. Ouais. Et j'envoie au cimetière le nom. J'envoie Colibri. Néospatien, voilà, pour que lui devienne Colibri Néospatien. C'est-à-dire que lui devient Colibri Néospatien. Voilà, lui devient Colibri aérien Néospatien. Et je vais faire la même chose pour le deuxième prisme. Et sauf que lui, je vais dire Dauphin aquatique Néospatien. Et donc, je prends le Dauphin, il est là. Oh, le magnifique ultra rare, waouh, insane. Donc, lui, c'est Dauphin, lui, c'est Colibri. Donc, c'est assez fou, en fait, ce qui se passe dans le milieu du gaming. Ensuite... Standby phase, c'est après la draw phase. Ouais, c'est juste après la drophase. Ouais. Tiens, je te laisse couper. Sûr. Et oui. Ensuite, je vais jouer, si j'ai bien lu, je vais jouer Contact Miracle. Afin de fusionner. Alors là, tu peux peut-être trouver la carte et l'afficher si c'est possible, qu'on puisse mieux la voir. Donc Contact Miracle, je mélange les matériels fusion, voilà, il essaie d'afficher. Je mélange les matériels fusion listés sur un monstre fusion héros des éléments qui liste Néos comme matériel fusion depuis votre main, terrain ou cimetière dans le deck. Puis j'invoque spécialement le monstre fusion depuis mon extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc en gros, je vais révéler de ma main Néos et ouais. Je vais renvoyer ces trois là dans mon deck pour invoquer justement le fameux Néos des tempêtes. Oula. Que tu peux peut-être afficher du coup aussi. Le Néos des tempêtes. En fait, le Néos des tempêtes qui est le seul Néos qui va peut-être me permettre de me sortir de la merde là. Parce que Néos des tempêtes, lui, une fois par tour, je peux détruire toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Voilà. Donc c'est plutôt fort. Ah oui. Cette carte par contre est renvoyée dans le fusion deck à la end phase. Et lorsque cette carte est renvoyée dans le fusion deck par cet effet, toutes les cartes du terrain sont renvoyées dans le deck. Voilà, renvoyer toutes les cartes du terrain dans le deck. Donc voilà. Bref, c'est pas mal, j'ai réussi à invoquer ça. Très correct, on va pas se mentir. Voilà, et bah écoute, je vais faire l'effet. Hein, je vais détruire donc les MP. Voilà. Voilà, insane. Puis je vais ensuite défausser ça pour aller récupérer le terrain. C'est l'effet. Ah, c'est l'effet de cette carte, d'accord. C'est l'effet de cette carte, le Neospace Pathfinder, voilà. Oh, le move de Dieu, les amis, je n'ai rien vu venir. Là, j'avais la bonne... Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est un deck burn, donc du coup, tu peux quand même... T'as le temps de faire quelques trucs. Après, j'avoue, je ne connais pas les effets de tes... je ne connais pas trop bien ton deck, forcément. J'avoue que moi, j'ai lu tous les trucs pour voir s'il n'y avait pas... T'as bien eu raison. Et du coup, je mets Neospace. Et ça fait quoi? En gros, c'est que maintenant, à la fin du tour, il restera, c'est ça? Voilà, il reste là, et en plus, il gagne 500. Et en plus, double protection valent mieux qu'une. Je mets le Néospace instantané que j'équipe à Néos des Tempêtes. Donc ce qui fait que le monstre, il a pas encore le même effet qu'il le renvoie. Donc si jamais tu détruis soit, il faut que tu détruises les deux en gros pour voilà. Ouais. Et surtout quand le monstre là est détruit, eh bien je peux invoquer spécialement un Néos depuis ma main, deck ou cimetière. Voilà. Oh oui, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Et j'attaque. T'attaques, bien sûr. Ah. Oiseau furtif. Oiseau furtif, alors ça fait l'effet ou pas du coup? Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense, bon, ça on s'en fout. Lorsque cette carte est invoquée par flip, donc elle flip. Non, c'est invoqué par flip, donc là l'effet ne marche pas de l'oiseau furtif, on est d'accord? Normalement. Oui. Ouais, voilà, ça ne marche pas, ok. Donc il se passe rien, il est mort. Voilà. Yes! Et voilà, et maintenant j'ai plus de cartes en main, donc j'espère que tu vas pas me détruire mon mob. Sinon, je suis dans la merde. Non. Non, pour l'instant, c'est rien passé. Pour l'instant, non, on va dire j'ai fait le tour pour contrer le petit Gige.
Mais voilà, on espère que ce Neos des Tempêtes va rester là. J'ai posé un Wave Motion Cannon. Putain de merde. Alors le truc, c'est qu'évidemment, quand je détruis l'MP, ça détruit aussi les miennes. Hein. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, bien sûr. Donc si je le fais, bah ça va repartir, quoi. C'est un peu chiant. J'aurais peut-être pas dû jouer les deux d'un coup. C'est pour ça que je me permets de jouer. Ah, je suis un connard. Vas-y. Écoute, Xari, j'ai pas grand-chose à faire. Je vais faire ça et dire à toi. L'effet de oiseau furtif, c'est simplement quand il est invoqué par invocation. C'est flip. Invocation flip, ouais. Donc c'est pas là, flip. Il a pas été invoqué. Là, juste. Sinon, ça aurait été marqué flip de points. Et... C'est à moi. Ouais, c'est à toi. Je pioche et je joue le nouveau Neos, héros des éléments. Donc lui, c'est un monstre Gémeaux. Donc de base, c'est 1900-1300 et je peux le réinvoquer entre guillemets au prochain tour pour qu'il devienne juste Neos, héros des éléments, en gros, en nom de carte. Donc ça veut dire que je pourrais faire les invocations et que ça marchera. Et ben, je vais attaquer du coup comme ça. Nouveau Neos, yes. 1900 d'attaque. Et j'attaque directement tes points de vie. Je perds 3500. Voilà, 3500. J'ai perdu en 3 tours. Hein, du coup, Ouais, là j'ai fait la sortie de port, hein, on va pas se mentir. Vraiment, après, t'as peut-être des trucs qui pètent les MP aussi. Du coup, tiens, mets un Ouais. comme ça. Donc c'est à moi. Ouais. Tac. Je vais faire ceci. Après, là, les gars, oui, j'ai réussi à faire le tour parfait. Il faut aussi savoir que s'il avait un deck un peu plus normal, il aurait pu juste faire une force de miroir, un truc comme ça, mon monstre ouais, mort, et après j'ai plus de cartes en main. Non, c'est juste qu'il a une très bonne sortie et moi je n'en ai point malheureusement. Je veux dire fin de tour, hein. Écoute. À moi. Yes. Je vais poser ceci en face cachée. Je vais. Ah non, bah non, je peux pas faire les deux. Du coup je pose ça. Du coup je peux pas invoquer nouveau Neos, mais je vais attaquer avec nouveau Neos. Ouais. Et j'attaque. Et je perds 3500 points de vie. Yes. Et c'est peut-être mon dernier tour. Oh là là. Alors on passe à 2. Non, tu vas pas m'infliger 200. 2000 par contre. Ah oui, pardon. Quand même. J'ai joué le pot de dualité. Ok. Afin de révéler les 3 prochaines cartes. Oh bah super. Oh, Dragon Mirage et Dragon Mirage, imagine. T'sais. Eh bien, j'ai donc perdu. Bien joué, Xari. Bien joué. Mais avant de perdre, je vais récupérer ceci. Vas-y. Voilà, ça partait là-bas. Et je vais jouer provision de secours afin d'envoyer cette carte au cimetière. Du coup, tu perds 2000. Et si j'envoie une carte au cimetière, je t'inflige 1000 de plus. Et voilà, tu perds des 3000. C'est tout. C'était juste pour le fun. Ça m'a fait super plaisir. Ok, mais y a pas de souci. Donc voilà. T'abandonnes, quoi. Non, mais je peux pas gagner. Bah, regarde, voilà, ma main, c'était ça. Oh, Jinzo, pas mal. J'avais Jinzo, ouais, mais en fait, ce qui m'a baisé, c'est en gros, messager de paix était très bien, mais cette sortie-là était super bien. Ouais, bah, ça allait très vite. Y en a qu'un. Bah, ça va vite, hein. Là, j'ai quand t'as une bonne sortie, forcément. J'ai réussi à te contrer, mais on va jouer un deck. Duel, les amis. Un deck un peu plus lent, sûrement. J'ai changé de deck, moi aussi. Hein. Vas-y. Moi, on change de deck aujourd'hui. Ouais, bah écoute, on est là pour s'amuser, pour découvrir. Quel est ce deck ? Mais qu'est-ce que tu m'as dit ? C'est pas du tout Ojama, ce deck. C'était pas Ojama ? Non, il y a une carte avec des Ojama dessus. Ah, d'accord, mais j'ai vu. Absolument pas Ojama. Moi, je veux. Ouais. C'est le deck de Zulu nul avec que des monstres 2 étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quel est ce deck ? Putain, je regarde des trucs et je sais. Ah non. Oui. Attendez, hein, on check un peu tout, les amis, tranquillou. Bon, bête cristalline, on va peut-être pas le ressortir. Ah, c'est quoi ça ? Ah oui, non. Allez, c'est parti. Non, bête cristalline, c'est un peu fort, hein. On va pas se mentir. Deck casino. Hop, on va y arriver. Oh bah tiens, allez, on va jouer héros des éléments. Oh non. Mais saison 1 et 2. Quel monstre, quel joueur. Donc ça, c'est l'héros des éléments. Quel mal alpha. Sans Neos. Oh là là, sans Neos. Les cifs sont pas mal. Tiens, mon cher Xav, je te laisse donc cut ici. Qu'est-ce que c'est que son deck ? Oh, tu le connais bien, Xari. Ouais, je le connais bien, mais... Mais voilà. Vas-y. Bon, toujours plus. Ouais, enfin, 6, merci, Xari. 4. Allez, je vais donc commencer. 4, 5. On rappelle qu'on fait les règles, les vieilles règles, donc le premier joueur commence. Avec qui commence, se pioche quand même. Oh, j'ai une bonne main. Eh bien, ma foi, je n'ai pas une main incroyable. Je vais set une carte. J'ai une main correcte, on va dire. Enfin, j'ai une carte forte dans la main. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle, le chat. Eh bien, je vais dire fin de tour, Xari. À moi de jouer. Je pioche.
Je joue Herman, héros des éléments. Bam. Et je fais le premier effet qui me permet de tuto un héros. Ah, Herman, tellement fort, Herman. Herman, c'est un peu le boss. Je vais prendre Prisme. Voilà. Hop. Oh, ça alors, Prisme. En vrai, il fait beaucoup dans ce deck, je trouve. Qui est Herman? Non, Prisme. Bah, Prisme, oui, il est je pas trouve mal. Que Prisme est une pierre angulaire du deck. Après, Héros des Herman, je vais pas te mentir qu'il y en a qu'un seul dans le deck. Oui, parce que c'est trop fort. Et je le pioche à chaque fois, j'ai l'impression. À chaque fois, je l'ai en main de départ. En main de départ, le premier truc que tu poses, je t'entends crier Herman. Je suis en mode bon, bah, faudrait peut-être nique ta mère, Herman. Ok, bah, c'est à toi. Non, j'attaque quand même. Ah, oui, c'est vrai. Oh, je perds 1800 points de vie. 1800. Moins 1800. Bon, Herman n'est pas dans la saison 1, c'est juste que pour que le deck soit jouable, on a mis un Herman parce il que... Il a d'autres effets ou c'est fini là? Non, c'est que quand il est invoqué. Okay. Ah d'accord, parce que j'allais dire bon... Oui, il a un autre effet, c'est qu'il est indestructible au combat, il gagne 1000 par stand-by phase. Trop fort mec. Et... J'invoque le grand et tout puissant, fracas, guerrier magique. Donc je pose un petit compteur qui fait qu'il gagne 300 points d'attaque et je peux à tout moment sacrifier ce compteur pour détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Eh bien, vu qu'il a, si je ne m'abuse et que je suis bon en maths, 1900 points d'attaque, je vais directement attaquer ton Herman, héros des éléments. Ouais, Herman... Et tu perds 100 points de vie. Ouais, Herman tombe au combat. Il tombe au combat, en effet. Et je vais terminer par une fin de tour, somme toute incroyable. Oh, peau de cupidité. Non mais gros, j'avoue la cabeça de la cocha, là. À chaque fois, il la pioche, t'enculé. Je pose ceci face cachée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, top deck digne de l'animé. Ah, top deck. Et je vais faire appel de détresse. Appel de détresse qui me permet d'aller chercher un monstre héros élémentaire de mon deck à ma main. Et je vais prendre... qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prendrais pas Océan, héros des éléments, qui lui aussi en a un seul exemplaire, parce qu'il est assez fort. Qu'est-ce qui te permet, Océan? Une fois par tour, durant ma stand-by phase, je peux renvoyer un monstre héros des éléments depuis mon terrain ou de mon cimetière dans ma main. C'est-à-dire que, imagine, j'arrive à le poser et qu'il arrive à faire un tour à la prochaine sur ma phase, je peux par exemple récupérer Herman. Quoi. Ouais, c'est pas mal. Ce qui est pas mal. Donc tu le poses? Non, enfin, pose pas, parce que j'ai déjà posé ça, donc je ne peux pas. Par contre, là, j'ai un souci de carte, là. T'en as trop? Ouais. T'as combien? Ouais, 7. Ouais. Il va falloir se défausser d'une carte ou poser une carte. Ouais, mais le problème, c'est que si je pose une carte, tu vas me baiser, en fait. Ah, je ne sais pas, Xavier. Faut réfléchir. Écoute, je vais refaire un appel de détresse. Le famoso appel de détresse. C'est la détresse et je vais prendre Burstinatrix. Et... Oh, la Burstinatrix. Je connais cette carte parce que j'ai joué au jeu, tu sais, sur Steam, là, pour connaître les decks un peu que tu jouais, parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est dans les premières fusions, Burstinatrix. Yes. Et du coup, ça va au cimetière. Et je vais envoyer au cimetière ça. Parce que j'ai trop de cartes en main. Et si je pose une carte magie, tu vas me la détruire, donc c'est chiant. Et je vais dire à toi, du coup. Tout simplement piocher une carte. Ah. Force, respect, robustesse. Je vais invoquer par le pouvoir la dame guerrière Didi. Ok. Bon, je ne sais pas du tout ce que tu as face cachée. Je vais prendre le risque d'attaquer avec fracas. Oh là là, noueux. Oh, j'en étais sûr. Tu m'as bien eu. Je subis donc 100 points de dégâts. Yes. Tac, 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 tac. Et je vais donc dire fin de tour. Tu gardes ton bannissement bien joué. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu présomptueux ici. Alors, je vais activer l'effet de noueux. Chaque stand-by phase, je peux récupérer une polymérisation. Depuis mon deck au cimetière. Oh, bien vu. Donc du coup, je peux récupérer Polymerization. Oh là là, mon adversaire est tellement intelligent. Il joue si bien. Que vais-je faire face à tant de puissance? C'est dur. Vais-je m'en Ensuite, sortir? Je vais activer Gratte-Ciel 2, la ville du héros. Tu peux peut-être l'afficher puisque, voilà, elle est plutôt sympa, cette carte. Elle va te permettre de faire quoi, mon cher Xavier? Ah, je vais pas te mentir qu'elle va me permettre de faire un truc pas mal stylé. Gratte-Ciel 2, la ville du héros, c'est Gratte-Ciel 1, je sais pas si tu te souviens dans l'animé, ça permet un peu comme le truc Amazonès, là c'est si t'as moins de points d'attaque, tu gagnes 1000. Tu vois. Ah, à chaque fois, sauf ouais, que là c'est Gratte-Ciel 2. Et Gratte-Ciel 2, c'est une fois par tour durant votre main phase, je peux invoquer spécialement depuis mon cimetière un monstre qui a été détruit au combat. Et qui a été détruit au combat il y a de cela? Non, Herman! Herman! Il est là. Héros des éléments! Paf! Je vous ai mis la carte pour les joueurs.
Non, il y a pas de souci, c'est parfait. Aucun donc Herman qui revient et qui du coup va pouvoir refaire son effet. Sauf que cette fois-ci, je vais pas faire l'effet de tuto, je vais faire l'effet de détruire une carte, autant de cartes magie et piège qu'il y a de monstres héros des éléments dans mon côté. Donc du coup, il y en a un et du coup, je vais détruire ça. Ok. Voilà. Pfiouf. J'ai j'espère que c'était un gros piège. Un cylindre Magix. C'est quand même un piège. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, j'ai pas fait encore d'invocation normale. Exactement. Donc je vais invoquer Prisme, héros des éléments, et je vais focus, enfin je vais dire géant de tonnerre, voilà, et je vais du coup sélectionner Sparkman, héros des éléments, que je vais envoyer, il est là, au cimetière, donc lui devient Sparkman. 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 Ok, c'est parfait. Sparkman. Puis, je vais utiliser polymérisation pour faire fusionner Sparkman et Roi des Marais qui va compter comme Clayman pour invoquer le grand, le tout puissant, géant de tonnerre, héros des éléments. Non, ensuite, je vais utiliser l'effet spécial de géant de tonnerre qui me permet de défausser une carte au cimetière. Je vais défausser Océan et du coup, je peux détruire un monstre qui a moins d'attaque que géant que de ce monstre là. Donc bah je détruire ça parce que ça va bannir. mais ce n'est pas fini, mais c'est infâme ce tour que je fais. Miraculeuse. Et du coup je peux faire fusionner depuis mon cimetière Océan et noueux héros des éléments afin d'invoquer la terre héros des éléments. C'est quoi ce tour? Désolé. Bah du coup j'ai perdu là. Bah je sais pas que t'as le métal ou là t'es pas très bien mon pote. La terre, héros des éléments. Alors la terre, elle a 2500 et elle peut, tu peux sacrifier d'autres monstres héros des éléments pour ajouter de l'attaque. Mais je vais pas le faire, c'est un peu con. Qu'est-ce que tu as utilisé pour invoquer la terre? Bah noueux et océan. Qui était dans mon cimetière. On parle du roi des marais il y a 2 secondes, je suis en train de voir. Non, roi des marais c'était pour... ah oui, géant de tonnerre. C'était pour géant de tonnerre. Roi des marais. En gros, roi des marais j'ai fait avec... avec ces deux-là. Sparkman et Roi des Marais. Enfin, Sparkman, Prisme quoi. Ouais, Prisme. Et après, vu que ces deux-là étaient dans le cimetière, j'ai utilisé Fusion. Fusion miraculeuse. Alors, ai-je le droit? Ah bah écoutez, je ne peux rien faire face à tant de sorties de Xari. Hein. Là, c'est pas une question de niveau de jeu, c'est juste que. Bah, je pense que les planètes sont alignées dans son crâne. Là, j'avoue que. Ouais, très bien, ouais. Pas mal. Bon, je fais des petits tours si, quoi. Si, ça passe. Donc, normalement, ça passe, parfait. Alors, ça demande en fait un nom de matériel précis et c'est ce qui est demandé pour le connaître. Yes. Bon, ensuite je pose une carte quand même face cachée et je vais attaquer du coup comme ça. Piouf. Ok, il est mort. Donc tu perds 500. 500. 500 plus 2500. Ça fait 3000 plus 4800. Je perds 4800 points de vie. Voilà. Bon là j'ai tout donné. Hein. C'est à toi là. C'est à moi. Ok. Je vais jouer. J'ai mis les gars. Trou noir. Violent orage. Afin de détruire tes cartes. Bien joué. Je vais jouer trou noir. Allez hop, j'ai perdu. Peut-être pas dû mettre tous mes yeux dans le même plat, mais c'était trop stylé. Poser une carte et je vais dire à toi. Allez, maintenant... Oh. Non mais... non. Oh là là, le top deck, messieurs. Je joue refusion. Mais gros, c'est insupportable. Refusion. Je paye 800 points de vie, je sélectionne un monstre de fusion de mon cimetière, j'en fais l'invocation spéciale sur mon terrain et je l'équipe avec cette carte. Donc tu perds 800 points de vie? Ouais, je perds 800 points et je vais faire réapparaître la terre, héros des éléments. Voilà. Il peut pas être spécial summoned by other ways, il est marqué. Ouais, mais là, c'est, je crois que refusion, ça passe par-dessus. Sinon, ça sert à rien. Sinon, j'espère. Ouais, sinon, Moi, j'essaye de tenter le truc. L'arbitre, check. Ce qui est marqué, il peut pas être invoqué d'une autre manière. Donc, tu dis, on peut faire. S'il pouvait ne pas être invoqué, ce serait génial, en fait. Pour moi, j'aimerais faire un petit tour, en fait, dans ce jeu. Sinon, je joue géant du jeu. Alors, le judge a la parole. Tu ne peux pas du tout invoquer aucun de tes deux monstres en fait. Ah, yes. Bah refusion va partir du deck parce que du coup elle sert à rien refusion. Est-ce que je peux invoquer d'autres monstres que non je... mais ça va Xari. Non mais là laisse-moi tranquille. Là c'est fin de tour, ça à toi. Bah, les monstres ne peuvent être invoqués uniquement par invocation fusion.
Donc tous les monstres fusion de héros léman en fait. Donc du coup refusion, bah, c'est une carte moins, mort. Les autres je peux pas dire parce que j'ai pas les effets sous les yeux, mais en tout cas les deux monstres au cimetière ils demandent juste d'être invoqués par invocation fusion. Ok bah dommage, my bad. Bah du coup c'est à toi mon ami. Dommage, je pensais avoir fait le top deck de l'année. Ouais mais finalement, parce que là c'était un peu complexe. Tu fais baiser de l'année, ouais. Elle sert à rien ma carte du coup. Ouais bah tant pis. Non, je pouvais pas utiliser l'effet de terre ferme pour sacrifier Jean de Tonnerre, gagner son attaque parce que j'avais pas. Ah non, c'était. Je peux pas le faire en. Je suis obligé de le faire en main phase. Je peux pas le faire en effet rapide, je crois. Je vérifie. Hein. Je réfléchis. Ouais, je crois pas que je puisse le faire en effet rapide. Enfin, si je pouvais le faire en effet rapide, je ne le savais pas. Je vais flip le magicien de la foi. Ah yes. Il va récupérer trou noir. Bah, je vais sacrifier le magicien de la foi pour invoquer. Ça, quel plaisir. Le grand et tout-puissant Zaborg, le monarque du tonnerre. Et je vais attaquer directement tes points de vie. Yes. Du coup, je regagne 800 parce que j'ai pas utilisé la carte, quoi. Ouais. Je perds 2400. Il regagne 800 et perd 2400, ouais, c'est ça. À moi, du coup Je vais... C'est une carte. Et je vais dire fin de tour. À toi. C'est à moi. Oui, j'ai oublié de me démute. T'inquiète. L'effet de Zaborg est obligatoire, il doit être activé. Du coup, c'est quoi l'effet de Zaborg? Quand cette carte est invoquée par succès par invocation sacrifice, détruisez un monstre sur le terrain. Mais j'ai pas de monstre sur le terrain. Bah si, y a toi. Y a Zaborg. Du coup, on va. Attends, c'est pas grave. Bah, replay. Parce... Mobius. Voilà. Mobius, il fait quoi? Mobius, même. Alors, du coup, ça, c'était pas posé, hein, du coup, quand je l'ai posé. C'est. Vous pouvez cibler. Déjà, c'est vous pouvez cibler, donc c'est bon. Okay. Voilà. Parce que oui, j'étais en mode. Excusez-moi, c'est. Bah, pas de soucis. Du coup, c'est à moi, là. Là, c'est à toi, ouais. Il a pas. Alors. Papi poupi, papi loupou, poup. Et c'est ça. Et je vais attaquer directement tes points de vie. Et tu perds 2400, Xari. Il va falloir. Fin de tour. Allez. La remontada. Il me reste combien? Mais je vais me tuer là. Pas de panique en régie. Nous comprenons totalement. Juge, il triche. Alors, bah, j'ai changé parce que, en effet, ça s'était inversé. Ouais. Je sais pas marqué si c'est l'impératif, c'est cibler un monstre sur le terrain. Alors, Xari? Yes, à toi! Là, je suis dans la sauce, là, comme on dit. Jaden. Il y a une carte qui peut me sauver, peut-être. Enfin, sauf si... Je vais flip le soldat pingouin afin de renvoyer cette carte et le soldat pingouin dans ta main. J'invoque la tomate mystique et j'attaque directement tes points de vie, Xari. Et je suis au tapis. Je te réduis à néant. Ouais, bien joué. J'avoue que le tour violent rage trou noir m'a mis mal. Eh bah, c'était ma main de départ. Le trou noir est juste arrivé après. Genre, le tour où t'as tout posé. J'ai pioche, trou noir. J'étais en mode bon bah bien joué. Bah GG. Bah je me suis fait. Parce que j'avoue que je suis à grosse goutte. J'étais en mode bon bah j'ai perdu en fait en un tour. Eh ouais. Comme quoi, mon entourage était trop violent, sérieux. J'avoue que sans le violent orage, j'aurais pas pu faire grand chose. Un violent orage qui m'a mis extrêmement bien. Le trou noir suffisait en vrai à me baiser. Alors, est-ce qu'il y a du Ojma? Ojama. Oh non, tiens, alors, je vais jouer ça. Peut jouer. C'est quoi ceci? C'est quoi cela? On va jouer ça. Ouh, manque Kuribo ailé. J'avoue qu'il y a Kuribo dans le deck de Jaden, mais bon, on va enlever refusion de toute façon, vu que ça sert plus à rien en fait. On vient de comprendre que la carte était useless, inutilisable. Ah, j'ai déjà joué ce deck une fois, ouais. Vas-y. Donc, du coup, c'est le deck rocher? Ouais, je crois que c'est le deck rocher. Je le connais bien, le deck roche. D'ailleurs, c'était la dernière game qu'on avait fait à Zulu, je lui ai mis 4-0 dans la soirée, mais où il avait niqué la game, genre. Ah, il aurait pu gagner, Non, mais c'est juste que, genre, il a fait ce qu'il fallait absolument pas faire contre le décroché, il a attendu 15 ans, enfin, genre, il m'a donné des possibilités improbables. Yes. Hop. Je te laisse commencer, mon ami. Quelle sympathie de ta part. Je vais mettre les gaz, peut-être. Il met les gaz!
Non, pour Refusion, c'est ma faute parce que les decks, il y a beaucoup de decks, c'est moi qui les ai fait, c'est juste c'est pas mes cartes. Genre le deck Yusei, c'est moi, les decks Héros des éléments, Bête cristalline, tout ça, c'est des decks que moi j'ai fait. Le deck que je joue là, c'est des decks que moi j'ai fait, c'est juste que c'est avec les cartes de Zou. Par contre, je sais pas si je fais les decks, mais en tout cas, je fais les pioches puisque peau de cupidité. Non, mais gros, c'est incroyable. Voilà, je suis juste le boss en fait. Puis je vais poser ceci et je vais dire à toi. Oui. Très bien, je pioche. Je vais utiliser Terre dévastée. Ah, ça donne de la défense. Exactement, ça donne l'attaque et la défense de tous les monstres de type dinosaure, zombie et rocher. Ça leur augmente de 200 points, ce qui est, ma foi, toujours, toujours satisfaisant. Toujours appréciable. Oh, c'est pas mal ça. Je découvre un petit peu mes cartes. Il n'y a aucun sou, quoi. D'accord, très bien. Il triche, il a pris des sales magouilles. Bah là. Troisième duel et trois fois peau de cupidité. Ça va, Zari. Ça va, Senna. Je vais faire ceci. Il a coupé mon deck, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Ah bah oui. Hein. Tu vas faire ceci, ouais, ok. Excusez-moi, les cartes magie rapide, est-ce que je peux les utiliser pendant ton tour depuis ma main ou faut qu'elles soient posées? Non. J'ai toujours. En gros, pendant ton tour, t'as le droit depuis ta main et après, quand c'est mon tour, il faut qu'elles soient posées comme une piège. D'accord, voilà, merci. Puis, pour être sûr. J'avoue, c'est le même pot de cupidité depuis tout à l'heure, je le garde, je le change de sleeve. Tel Arcana, il a limé les cartes. C'est à toi. C'est à moi, je pioche et je joue Sous-marinoïde que je viens de piocher. Lui, il a un effet cool parce qu'il peut attaquer directement tes points de vie. Ah oui, c'est vrai. Et j'attaque du coup directement tes points de vie. Je perds 800 points de vie. Et après, l'effet, c'est qu'il peut se mettre en défense. Donc je mets en défense. Ah bah, dis donc. Pour me protéger. Donc moins 800 pour Jiraiya et c'est à toi, en effet. Mm-hmm. Belle main, les gars. Ouais. Je vais sacrifier cette carte. Oh non. Pour poser cette carte. Ah, oh, je connais. Attends. Je connais, je crois que je connais la carte et je pense que mes monstres vont pas rester beaucoup sur le terrain. Avatar du pot, hein, une de pires cartes FR. Mais ça sert vraiment à rien cette carte. Très bien. On est d'accord que. Bon, j'invoque le Sphinx gardien, mais j'ai une question. C'est marqué une fois par tour durant votre main phase. Il y a deux main phases, donc la main phase 2 est comptée dedans. Oui. Bon, c'est bon. Oui. Bon, je vais détruire ça parce que c'est assez chiant. Pas trop cette carte. Ok, bah je perds rien du tout. Tu perds rien du tout. Et ensuite, je vais utiliser son effet. Donc, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez retourner cette carte. Quand en il se retourne, de il fait défense. Quoi déjà c'est un, perso. C'est un pingouin quoi. Et ouais, c'est pire que ça parce qu'en gros, dès que je la retourne, tous tes monstres reviennent dans ta main. Yes, insane. Allez, à moi. Elle est invoquée par flip du moins. Oui, par flip, exactement. Donc il faudrait que après je me flip. Je vais activer Sous-marinoïde, je vais attaquer et je vais. Et non, parce que je vais utiliser épouvantail de fer. Aïe. Bien joué. Et bah du coup. Son effet marche quand même ou pas Je c'est sais après pas. Qu'il a attaqué l'attaque ou pas Ça annule. Non, il passe pas en défense. Ah, il passe pas en défense. Ça annule l'attaque puis poser okay. De nouveau cette carte. Okay. Bah du coup c'est que si j'attaque que je peux faire l'effet. Donc très bien. Du coup je peux pas faire l'effet à toi. C'est à moi. Ouais. Chut. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dans la demeure là avec ma main insane. Je vais flip le Sphinx gardien, figurez-vous. Hein, comme on le rappelle, renvoyer tous les monstres sur le terrain de votre adversaire dans la main de leur propriétaire. Et je vais tout simplement attaquer directement tes points de vie. Et le Sphinx gardien qui possède non pas 1700 mais 1900 points d'attaque. Je perds 1900. Même. Tu perds 1900 et on est en main phase 2. Je reflip à toi. Yes, insane. Allez, je vais poser ça. Insane, ça sert à rien. Et ensuite, je vais mettre au cimetière... Oui, j'avoue que t'as pas mal de cartes, ma vie. Je vais poser ça. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais mettre ça au cimetière. Voilà. Et c'est à toi. Bon, allez, va me falloir l'âme des cartes, là. Oh, qu'est-ce que je viens d'avoir ? Est-ce que je peux m'en sortir ? Mmh. Du coup, je vais invoquer le golem sentinelle en position d'attaque. Mmh. Je vais flip mon sphinx gardien
Et je vais prendre le risque d'attaquer directement tes points de vie, Xari. Eh bien, oui, bah tu me laisses. Eh bien, tu perds 1000 plus 1900. 2000 moins 2900. Yes. Ensuite, je vais utiliser l'effet de Sphinx Gardien. Et une fois par tour, je peux retourner cette carte en position de défense face verso. C'est ce que je vais faire. Et je vais dire à toi. Vraiment horrible ce Sphinx. Ouais, je trouve cette carte très forte. Après, j'ai pas eu de bol. J'avoue que visuellement, c'est un deck de défense. Du coup, c'est pas de beau jeu. C'est pas, très beau. Pas très beau à voir, j'en suis navré. Là, j'ai eu surtout la pire main. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose. Avec Xari, j'ai envie de te terminer. Bah vas-y, bah finis-moi. Eh bien, il te reste combien, 3200? Eh bien, je vais tourner deux cartes. Je vais jouer bouclier et épée. Très bien. Jusqu'à la end phase, je change l'attaque et la def d'origine de tous les monstres actuellement face recto sur le terrain. Donc, il fait que ça bouge. Ils ont 2600 et 2000. Eh bien, j'ai perdu. Et j'attaque. Bah, bien joué. Bien joué. Je n'ai rien su faire. Bah, là, en gros, j'avais T'avais une main de mort ou pas? Mais j'avais que des monstres. Voilà. Ah, oui, d'accord. Donc, je ne peux. Moi, j'avais encore la boîte féerique, j'avais trou noir. Et là, j'avais. Genre, c'est ça la carte magie. En gros, ça divise par deux. Ouais, c'est, rétrécissement. Et l'épouvantail m'a permis de. Bah, de rien du tout, parce que même tes monstres n'étaient pas assez forts. Non, Dryoid, je pouvais pas gagner avec Dryoid parce qu'il avait son épouvantail, de toute façon. Ah, là. Ah, là, je prends la tête de cette soirée avec un petit avantage pour ma part. Sur 3 decks utilisés, 2 victoires. Mais Xari ne saurait dire son dernier mot, si je puis me permettre. Je vais rejouer ce deck parce que j'avoue que j'ai pas joué en fait. Donc, Bien sûr. Et moi je vais essayer de jouer autre chose de plus joli. Est-ce que c'est le deck joué? Le deck joué est toujours aussi à chier ou il est jouable? Non, il est ok. Là en fait, il y a beaucoup trop de monstres dans ce deck de merde en fait. Bah écoute, je vais tenter le deck de joué. Voilà, on est là pour le beau jeu, les amis. On est là pour s'amuser, pour retrouver les sensations de l'époque. Et voilà. Tiens, je coupe ton deck, mon cher Xav. Merde. Et le deck de Joey, qui a remporté quelques victoires. Hein. Tout de même, il doit être à 3,33% de win. Les stats sont totalement inventées par mes soins, bien entendu. Mais c'est beau. Tiens, tu peux cut. Ah, d'accord, très bien. Hop. À chaque fois, je l'envoie à 20 km, gros, c'est insupportable. Je suis un connard. Je commence, du coup. Tu commences? Alors, hop, je pioche chez Insan. Et je vais jouer peau de dualité. Pas peau de cupidité, cette fois-ci. Mais... Oh, allez, tous les monstres sont à chier, on va pas Ah, je l'aime. Ok, je vais prendre ça. Et... J'avoue que Dryoid, ça aurait été pas mal fort contre le deck, mais... Et je vais dire à toi. Je vais dire à toi. C'est à moi. Alors... Ah, très sympa. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. Si... C'est chaud quand même. Ouais, c'est pas évident. Hein. J'avoue que ce deck est pas non plus le deck le plus puissant qui m'était donné d'avoir entre les mains. Ah ouais. Écoute, on va faire ça. Yes. Et ceci. Et je dis fin de tour. À moi. Je vais jouer Typhon d'Espace Mystique là. Voilà. Énorme. Et ensuite, je vais jouer Dryoid. Ah non. Et j'attaque. Et Dryoid, ça fait quoi? Bah, ça fait que ton monstre est détruit quoi qu'il arrive. Bon bah voilà. Voilà, sans faire l'effet. Allez hop, casse-toi. J'ai envie de trouver nerf. Ensuite, je vais mettre... Non, rien du tout, je vais dire à toi. Allez, Dryoid. Dryoid.
Drioid, c'est juste le boss en fait. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, bien vu, hein. Bien vu en fait. Tu n'as rien à opposer à mon Drioid ? Bah non. Yes. À toi. À moi. Ah, c'est le deck joué. Je vais jouer double invocation. Bien vu. Et je vais jouer Furtiroid. Puis, en sacrifiant Furtiroid et Drioid, je vais jouer Armoroid. Hémorroïde. Non, Armoroid. S'il te plaît. Armoroid, quand il arrive et qu'il était invoqué en sacrifiant minimum un roid, eh ben, je peux bannir toutes les cartes MP sur le terrain. Donc du coup, cette carte est bannie. Ok. Et voilà, je suis quand même le boss avec Armoroid et j'attaque. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Non, non. Et je vais poser. Merde, je vais poser ça et je vais dire à toi. Bon, j'ai plus beaucoup de cartes en main, mais on a Armoroid 2700 d'attaque quand même. Un beau monstre s'il en est. Jouer bouc émissaire, pas trop le choix. Ok, 4 petits jetons. Exactement, qui ne peuvent malheureusement pas être sacrifiés pour invocation sacrifice. Ah, qui vont te protéger. On va temporiser. Et je vais dire fin de tour. À moi. Ok, je vais jouer Express Roid. Express Roid, quand je le joue, je peux récupérer 2 roïdes de mon cimetière à ma main. Insane. Et je vais attaquer, piouf, comme ça. Très bien. Et je vais dire à toi. Un magicien du temps peut sortir. Ouais, je sais, mais... Je vais dire fin de tour. Ah yes, le deck de Joey qui est dans la tourmente. Qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et écoute, je vais jouer Drioid du coup, hein, et on va attaquer comme ça. Ouais, et... je perds 2700 du coup. Piouf, comme ça. 2700. C'est à moi ? Oui. Et le deck de Joey. Le deck de Joey qui... assez ouf. Qui atteint ses limites. Express Roid, c'est pas mal. Après, le problème, c'est quand tu l'invoques comme ça pour récupérer, il a 400 d'attaque, donc souvent tu te fais bien bolos. Bon, bah, j'ai pas 50 solutions. Non, pas magicien du terme. Non, j'ai rien. Je vais invoquer le chevalier commandeur. Okay. Tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque. Il a 1600. Donc, il a 1600. Je vais l'équiper de Salamandra. Donc il est à 4, 5, 6, 7. 2300 d'attaque. Voilà, tout simplement. Et avec ce chevalier commandeur, je vais attaquer Drioid. Ah, je suis désolé, mais. Force miroir. Force de miroir, aïe aïe aïe. Ouais, ce n'est pas le duel du Gige. Exactement, jouer bouc émissaire pour temporiser. Yes. Je vais dire à toi. Oh yes, insane. Quel deck, Joey? Quel deck? Quel deck? Quel deck? Je vais jouer Jetroid. Et tu détruis ces 4. Voilà. Et je tire à toi. Merci. Eh bien, bien joué. Bien joué, yes. Le top deck était là, bien sûr. Les crânes, oui, bon, j'avoue que Joey, ça pue bien. Bon, bah Joey, attends, est-ce que je pouvais... Non, allez, non, on arrête de se faire bon, du allez, mal. Moi, je veux le Ojama maintenant. Il est où? Il est où, con? Ce qui est bien, on n'a pas à me poser de questions. Bah écoute, j'avoue que là, tu es tranquille, tu regardes un duel digne des plus grands. J'ai envie de jouer ça. C'est le deck, c'est la signature, deck signature de Zulu. C'est quoi? C'est le dernier deck qu'il a fait, je crois. Ah. Ou l'avant-dernier, non? L'avant-dernier, peut-être. L'avant-dernier. Mais il est marrant ce deck. On va voir, on peut peut-être faire un truc, même si je connais pas exactement le deck. On peut peut-être se marrer. On peut peut-être se marrer, se fondre la poire. Et en dernier, je jouerai sûrement le deck Ojama. Voilà, parce que c'est cool le deck Ojama, c'est marrant. Jiraiya. Oui. Scapegoat, tu l'avais fait après ton invocation normale ou durant le tour de... J'avais fait quoi de Xari? Les moutons. Carte, les jetons. Les moutons, j'ai fermé une phase 2 quoi. Ouais, je crois que t'as pas le droit, c'est pas ça? Si t'as invoqué ah oui, le parce tour, que je peux pas invoquer. En fait, j'aurais perdu plutôt. Oui, non, tu parce as qu'en gros, tu peux le faire, tu peux la poser pendant mon tour. Tu fais en activation d'accord. Rapide et tu peux le mettre. Bon, d'ailleurs, c'est ultra fort. Ça, c'était ultra fort avec les liens, parce qu'en gros, tu pouvais activer, faire des liens avec. Ou je presque que ça change l'issue du duel. Je ne crois pas, non. Oh non, non, mais c'était une question de. Je connais pas du tout ce deck. C'est un deck avec prison dimensionnelle, gardien et Athos, Naga Cyber. C'est pas le deck bannissement. Vas-y, on va tester. Plutôt fort. Ouais, je connais pas. Ouais, ouais, c'est fort, c'est fort. Eh bien, c'est parti, Xari. Voilà, quel duel au sommet. Je sais pas si... Je sais pas si contre mon deck, c'est fort. Enfin, le deck là est nul, donc... Ah ouais. Bah, c'est un deck fun, quoi. Bah écoute, moi j'avais un deck fun il y a quelques instants. Un deck trollesque. Et j'ai pris vraiment un maximum de fun. Pour de dualité. Ah bah écoute, j'en suis... carte de prêt. Très heureux. Tu commences? Alors, on va lancer, gros. 3. 4. Et ben voilà.
Eh bien, bien joué. Eh bien, je vais commencer. Alors, 8, 4, 5, et je pioche. Je set une carte. Oh, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Bien, écoute. Hop. Pose le pot que t'as gardé. Non, il est là, il est là. Zippo. Je vais jouer Absorption de l'âme. Yes. Carte continue qui fait qu'à chaque fois qu'une carte est retirée du jeu, ça augmente mes life points de 500 points. Il y a gardien Yatos dans celui-là ? Ouais. Ah, c'est pas le rat. Parce que le rat, la dernière émission, j'avais fait un rat à 36 000 points de vie, points d'attaque. Mm-hmm. Contre Zulu. Ok, c'est tout ? Il y a peut-être un petit monstre ? Je sais pas, mec. J'invoque Bazou, le mangeur d'âme. Voilà, à toi. Ok, allez. C'est très complexe. Il a top deck, c'est enculé encore dès le départ. Convulsion de la nature. On retourne au deck. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de mon deck? Ah ouais, c'est ce deck, putain. Peau de cupidité, les amis. Quel mongol, quoi. Alors, du coup, attends, pendant que tu rigoles, est-ce que Absorption de l'âme est une carte qui se stack? Oui. Oui, tu peux en mettre deux, il n'y a pas de souci. Alors, je vais jouer The True Name. Je sais pas si tu peux l'avoir en français, je sais pas si tu connais la carte en français. Le nom, le vrai nom, je sais pas ce que c'est. The True Name. Le vrai nom. Le vrai nom. Alors, je te lis la carte vite fait. Donc, je déclare un nom de carte. Voilà, je l'ai mis. Le vrai nom. Bah, voilà, déclare un nom de carte. Dévoilez la carte du dessus de votre deck. Et si c'est la carte déclarée, ajoutez-la à votre main. Puis vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un monstre divin depuis votre deck. Sinon, envoyez cette carte au cimetière, vous ne pouvez activer qu'un vrai nom par tour. Alors je vais dire peau de cupidité. Oh, bien joué, mec. Peau de cupidité, du coup je l'ajoute à ma main. Et en plus, je peux invoquer un divin depuis... Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a par contre. Mais quelle chance. C'est un devin ou un divin? Un divin. Un divin. Mais c'est quoi divin? Bah c'est les dieux égyptiens en gros. Ah ouais. Oui, les dieux égyptiens, ils ont un type et un attribut. Bah, du coup, je peux invoquer Slifer ? Tu peux invoquer Slifer ? Laisse-moi voir l'effet de Slifer, mais il me semble qu'il peut être invoqué spécialement. Attends. Alors, comment ça, ce deck est super drôle ? Il est troll. Oh, quel deck troll ! Quel deck troll ! Il peut être invoqué. Bah, après, il va être détruit, c'est ça, à la fin, à l'end phase ? Oui, à la fin du tour, il est détruit. Bon, salaud. Bon, en vrai, j'ai que ça, hein, ok. Donc. Slifer, le Dragon of the Seattle. Non, c'est pas le même juge pour ceux qui se posent la question. Yuri est en vacances. Tiens, tu peux couper, de toute façon, je vais voir la carte. Hein. Je vais pas te mentir. Oh, devin Gishki. Ah oui, en plus, il est fort, ce con. Alors, le truc, c'est que t'as évidemment quelque chose ici. Je vais faire peau de cupidité, on va piocher. Hein. Devin Gishki, cloche de cérémonie, et après, mur des illusions. Ta carte elle est détruite à la fin du tour. Oui, c'est pour ça que ça. Non, pas ça, ça c'est continu. Non, mais ça. Oui, c'est pour ça que là il y a un piège et que je vais être mort. Mais bon. Je réfléchis. T'as combien de cartes du coup ? 6. Donc il a 6000 quoi. 6000 exact. Écoute, je vais attaquer. Bon, bah je vais juste annuler l'attaque. Ah oui, tu t'annules la battle phase. Ok, pas de soucis. Alors. Je vais jouer devin Gishki. Et je vais dire mur des illusions. Du coup, je l'ajoute à ma main. C'est assez insane. Super cool. Donc ça, fin de tour. Donc ça dégage. Et je vais le mettre là pour que ce soit plus lisible. Même si normalement, on ne change pas la place des monstres. Voilà. Et à toi. Tu as chopé Absorption de l'âme. Oh, et je vais la jouer. Oh, pas mal ça aussi, prison dimensionnel. Bon, c'est une trappe, enfin c'est comme une armure, mais ça bannit quoi, donc c'est fort. Si je dis pas de bêtises. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre, bannissez-la. C'est plutôt pas mal. Alors attends, là, qu'est-ce que je peux faire? Il a combien d'attaques ton monstre?
1200, il pue sa mère. Hein, c'est... je vais pas te mentir que là. Mes monstres sont nuls. Je connais pas trop mon deck en fait, c'est ça le truc. Donc là, je sais que j'ai eu une bonne combo, mais parce que conviction de la nature, c'est vraiment pas mal. Mais j'avoue que. Sinon, je connais pas spécialement le deck. J'invoque le visage nécro. Ok. Donc on bannit en bannit maintenant ou c'est... Non. En gros, en fait, non, c'est juste que les cartes qui sont bannies, on les remet dans notre jeu. Ah oui. Et en gros, c'est retirer du jeu. Voilà, c'est lorsque cette carte est retirée du jeu, les deux joueurs retirent du jeu les 5 cartes du dessus de leur deck. Faut qu'elles soient retirées. Quand elle est bannie. Donc je vais attaquer avec le visage nécro. Ok. De 20, donc elle est détruite. Ouais. Je vais attaquer. Je la mets pour les joueurs d'ailleurs. Oh ouais. Ah ouais, oui, parfait. Visage nécro. Je vais attaquer directement tes points de vie avec Bazou. Ouais. Tu perds donc 1600. Ouais. Ensuite, je vais utiliser l'effet de Bazou qui dit qu'une fois par tour, je peux retirer du jeu jusqu'à 3 cartes monstres de mon cimetière. Je vais retirer donc le visage nécro. Et comme je retire le visage nécro, nous allons retirer du jeu, comme c'est affiché, 5 cartes. 1, 2, 3. N'oublie pas de gagner des 4, points de vie pour le. Je sais, ouais. 5. Du coup. Chaque fois qu'une carte est retirée du jeu, augmentez vos life points de 500 points. Donc là, on a retiré 10 cartes. 11. 11 avec, oui, celle-ci, pardon. 11 000 points de vie. Non. Bah si. Attends, c'est 500. Ouais, c'est 11 000 du coup. Je gagne 11 000 points de vie. Pim, pim. Yes. Et du coup, Bazou a 1900 d'attaque jusqu'à la fin de ton tour. Je set une carte et je dis fin de tour. Ok, pas de soucis. Ouais, les points de vie sont pas mis à jour du côté de Jaria. Ouais, c'est normal, c'est un peu de lag sur le serveur. Je vais jouer devin Gishki et je vais dire conscription. Je prends conscription. Je pose conscription. Au cas où tu ne saurais pas ce que c'est. Puis. C'est quoi déjà conscription ? Je ne sais même plus. Tu vas voir. qu'est-ce que c'est que cette merde ? Puis je vais faire double invocation et je vais poser ça et je vais dire à toi. Ah là je peux le faire maintenant en fait avant sa draw phase, l'effet de conscription. C'est quoi? Non, tu dois attendre qu'il pioche. Ah dommage. Au moins qu'il pioche. J'ai pioché, tu peux la faire. Bah non du coup. Ah d'accord. Non, Naga Cyber, attendez, bah tout le monde a eu ma carte. Naga Cyber du coup. Naga Cyber, c'est tu peux bannir la carte pour annuler la battle phase, c'est fort. Ah, de ma main, je peux le faire en plus. Non, c'est... pas du tout. Quand elle attaquait. Ah oui, c'était 11 x 500, on a dit 11 000. Mais non, si, c'est ça, c'est 11 x 10. 11 x 500 x 2, c'est parce que j'ai c'est deux cartes. C'est 11 x 1000, c'est 11 x 1000. C'est 11 x 1000, les amis, parce que j'ai deux cartes. 11 x 500 x 2. Ça fait bah c'est on... enfin 11 x 1000 c'est plus simple hein. Oui non mais c'est pour parce qu'il y a deux cartes voilà. Alors excusez-moi. Les points de vie sont corrects. Tatin bon Zoulou là il va falloir que c'est quoi cette merde? Putain. OK c'est à chier. Tellement chance en Zulu. Bah, y a pas de souci, mec, tu peux juste partir en fait. Personne ne t'oblige à rester, je ne sais même pas pourquoi tu es encore là. Bon alors, Jiria, là, t'as un prix Goncourt ou quoi? C'est quoi le délire là? Attends, deux secondes. Je sais pas quelle carte il lit, mais c'est long. Non, j'essaye de. C'est un deck qui est complexe. Pas si trop. Tu veux. Tu bannis tout et... Oui, c'est vrai. Je vais jouer le visage nécro en mode attaque. Du coup, comme il a été invoqué normalement, mélanger toutes les cartes retirées du jeu dans le deck de leur propriétaire. Donc, au total, il y en a 11. Et je gagne cette carte, du coup. Gagne carte, 100 points d'attaque, donc elle gagne 1100 points d'attaque. Donc, oui. Ce qui fait que c'est une carte à 2300 d'attaque. Exact. Donc ça, dans le deck. Et on mélange. Couper ou pas mal, ou dis donc pas mal. Pluton il va pas rester là, mais ouais, écoute, ça tombera sur je sais pas le divin Jean-Louis David au DD, guerrier DD au DD, Sliffer gros, insane.
Voilà, donc c'était déjà très intéressant. Je vais attaquer avec Bazou le mangeur d'âmes. Et putain, je vais attaquer ici. Ouais, donc tu perds 400 points de vie. Ouais. Et avec le visage nécro, je vais attaquer là. Et du coup, bah, j'ai perdu. Mais je... 400. Il a perdu 400. Et là, c'est quand cette carte est envoyée au cimetière, je peux invoquer. Non, je peux ajouter une carte archidémon depuis mon deck à main. Alors, je sais pas ce qu'il y a comme deck archidémon. Je vais dire fin de tour. Archidémon, je ne sais pas ce que c'est. Au DD. Qu'est-ce qu'il y a comme. Guerrier DD. Il n'y a pas de carte archidémon en fait. C'est de la grosse merde cette carte. Au DD. Au DD. Faut ajouter une carte archidémon, mais il y a quoi comme carte archidémon? Quel démon possèdes-tu? Mais il y en a aucun. Pluton le dissimulé, c'est pas un archidémon. Ah, mais ça peut être une carte magie, ok. C'est une carte magie du coup. Serment de l'archidémon. Ok, j'avais pas compris, je cherchais un mob. Du coup, bah, je récupère Serment de l'archidémon. Tiens, je t'en prie, coupe. Donc fin de tour, t'as dit, vas-y, coupe mon deck, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Et... Oh bah tiens, celui de tout à l'heure. Ouais. Mouka Mouka, l'enragé, insane. Alors, c'est quoi ça? Ok, insane. Eh bah, je vais jouer Serment de l'archidémon. Donc je paye 500 points de vie, je déclare un nom de carte, et si c'est la bonne carte, bref, je la prends quoi. Ok. Donc je déclare. Donc il perd 500 points de vie. Épée de révélation de la lumière. Oh. Et hop. C'est l'intitulé exact. Merci. Juste le boss. Magnifique. ODD. ODD. Putain, c'est quoi ta carte piège? C'est la prison dimensionnelle? Non, on l'avait enlevée. Au DD. Au DD. Qu'est-ce que je vais avoir le guerrier DD. Au DD. Ah oui, mais lui, il coûte plus. Ah oui. Je vais jouer Conscription. Du coup, je vais... Alors, prenez la carte du dessus du deck de votre adversaire. Si la carte prise peut être invoquée par invocation normale, invoquez-la par invocation spéciale. Du coup, je la prends et je l'invoque spécialement. Piouf. Voilà. Sinon, ajoutez cette carte à la main de votre adversaire. Insane. 1200 d'attaque, insane. Elle fait quoi en fait ma carte? Je crois que si dès qu'elle attaque. Ouais, c'est je bannis les deux trucs. Elle, quand elle est bannie, ça fait. Ouais, 5. Ouais. Et bah écoute, je vais attaquer le visage nécro. Eh bien. Non, je vais faire rugissement menaçant, mais annuler toi. Ok. Yes. Main phase 2, je vais sacrifier le guerrier DD. Au DD. Et je vais mettre le Muka Muka enragé qui gagne 400 d'attaque et de def pour chaque carte dans ma main. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il gagne 2000. Points, donc il a 3200. 3200. Et. Est-ce que Dédé a attaqué ou pas? J'ai pas suivi. Non, il a pas attaqué parce que j'ai annulé la battle phase. Et c'est à toi du coup. Okay. C'est à toi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est. Vas-y. Hop! Trou noir, yes. Trou noir, ouais. Putain, je me fais full baise là! Il y a deux rugissements menaçants, mais quel enfer hein. Ouais, j'avoue que c'était pas mal. Alors là, mes choix sont limités. Bah t'as deux cartes donc ouais. Ok. Du coup elle a combien cette carte? Là elle a 3002. Ah oui, dis donc, t'es... Oh, c'est un mini sliffer. Par que qu'on fasse en sorte que... ouais, je sais pas. Et... les choix sont assez complexes, Xari. Bon, bah écoute, je vais jouer le Naga Cyber, du coup, pour activer un de ses effets. Je vais utiliser l'effet qui me permet de le retirer du jeu, une carte du jeu. Cette carte est un monstre face recto que je contrôle, et ensuite je pioche deux cartes. C'est pas quand t'es attaqué? Vous pouvez utiliser un de ces. Il y a marqué, vous pouvez utiliser un des trois effets suivants. Oui, mais trois effets différents. Il y a marqué, vous pouvez retirer du jeu cette carte et un monstre. Donc, voilà. Cette carte est un monstre face recto. Je vais retirer forcément le visage nécro du jeu. Donc, je gagne 2000 points de vie. 5. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Oh, visage nécro. Qui sont retirés. Alors, je gagne 2000 points de vie plus. 10 000. Plus 10 000. 10 000.
Donc je gagne 12 000 points de vie au total. Ok. C'est un peu complexe hein, maintenant. J'ai beaucoup de points de vie, c'est magnifique. Je vais jouer le sarcophage doré. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ? Bon. Ok. Écoute, je vais aller chercher le gardien et Athos. Ok. Je ne sais pas ce que je fais, hein. Je vais pas vous mentir. Ok. Donc ça, c'est là pour l'instant. C'est ça. Du coup, je te laisse couper. J'ai rien à toucher avant de bannière. Comment ? Est-ce que t'as pioché avant de bannière ? Avant de bannière, oui, j'ai pioché. Avec la gaciber. Le chat me... Le chat ah, j'ai pas pioché les deux cartes, tu voulais dire bannir et après piocher plutôt, non ? Non, justement, tu bannis pour Naga, donc tu pioches tes deux cartes. Ah oui, j'ai même pas pioché, non, mais vous avez raison, c'est ma faute, ouais. Et après, tu as l'effet de visage nécro. Mais du coup, j'ai pas... je sais qu'il y avait visage nécro, mais j'ai mélangé, donc... Les trous noirs, je crois, non ? T'avais pas un trou noir ? Non, il y avait... C'était comme... Non, trou noir est parti, là. Oui, mais justement, les cartes que t'aurais dû piocher, c'était ces deux-là. Ces deux-là ? Bon, vas-y, je les prends, alors, du coup. Et enlève-en deux autres. Exact. Donc du coup, bah, je remélange. Oh, c'est complexe, les amis. Donc du coup, comme j'ai banni Gardien et Athos, je gagne 1000 points de vie, encore une fois. Ah ! Ouais. Oh bah, nice. Voilà, on y arrive. Et t'as récupéré Trou Noir et... Parce que je suis censé savoir. Trou Noir et Dame Guerrière Dédé. Ok. Oh, Dédé ! Dédé ! Putain. Et du coup, je vais bannir également le Guerrier Dédé grâce à l'effet de Bazou. Donc je gagne 1000 points de vie supplémentaires. Et ma foi, j'avais déjà invoqué, donc je ne peux plus faire grand chose face à tant de cruauté de ton monstre et je dis fin de tour. Ok, je pioche. C'est complexe hein. Je vais faire serment de l'archédémon, je vais payer 500 points et je vais dire conscription. Je prends conscription. Du coup là c'est... sarcophage doré, c'est dur en main. C'est la deuxième. Seconde stand by face. Pour l'instant, c'est pas maintenant. J'en ai même pas une pour l'instant. Pas tout de suite. Je vais poser. Si. Non, je vais attaquer. Ok. Et je vais jouer épée de révélation de la lumière. Voilà. Et je vais dire. À toi. Je pioche. C'est quoi que t'as pioché juste ? J'ai pas vu. Visage Nécro. Ah oui, Visage Nécro. Yes. 100. Alors par contre, merde, on a... ouais, c'est combien ? C'est ma faute. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je serais pas assez fou parce qu'il nous reste ça. Donc 8. Et toi, t'en as combien ? 5, je crois. C'est tout ? Ouais, 5. 5, 5, exact. 1300, ouais, ça fera jamais assez. Visage Nécro, il y en a 3, hein, c'est ça. Je vais jouer Trou Noir parce que là c'est trop fort ton truc. Ok. Alors, Sangan et Muka Muka enragé. Donc, Sangan part. Donc, du coup, je peux prendre une carte. Du 1500 d'attaque ou moins. Ok. Ça sera au prochain tour. Ok, je vais prendre Dandy au diamant, héros de la destinée. C'est complexe là, c'est très complexe ce qui se passe sur ce plateau, mesdames et messieurs. La pression est à son comble. Et du coup, tu fais quoi ? Sur ton tour, hein, Trou Noir, t'as fait. Oui, j'ai fait Trou Noir, en effet, mon cher Gary, une fois de plus. Voilà, c'est à toi. Je pioche. Après, j'ai un peu de points de vie pour temporiser. Je vais jouer Serment de l'Archidémon, je vais perdre 500 et je vais dire hausse du péage. Alors Xari qui perd 500 points de vie. Ok. Je vais pas pouvoir temporiser toute la vie non plus, on va pas se mentir. Je vais poser ça. Poser ça.
Et il en pose des choses. Je vais poser Dandy au diamant. Une fois par tour, je peux dévoiler la carte du Simon Dex. C'est une carte magie normale, envoyez-la au cimetière. Donc je vais le faire. Hop, je l'envoie au cimetière. Enfin, c'est une carte magie normale. Et durant la main phase de mon prochain tour, je pourrais activer l'effet de la carte magie. Ouais, mais bon, en l'occurrence. Je vais pas le faire, c'est juste pour la dégager. Ouais. Et je vais attaquer quand même 1400. Moins 1400. Je perds 1400. Et c'est à toi. C'est à moi. Ouais, si, si, du coup, l'effet de sarcophage est révélé. La convulsion, c'est une magie continue, pas une magie normale. Ah, du coup, ça le fait pas ? Non, elle va en dessous du deck. Ok, bon, ça me va aussi. C'est parfait. C'était juste pour la dégager. Je récupère le gardien et Athos. Oui. C'est quoi ça ? C'est fort. Hein. C'est tous les monstres. C'est une magie continue. Tous les monstres qui sont envoyés au cimetière sont retirés du jeu à la place. Et c'est fort. C'est fort, c'est fort. Hein. My bad. Il va pas être à coup de cartes. Si, si, sûrement à un moment, mais bon. Ça va être difficile de gagner. Je vais pas vous mentir. J'ai pas le deck le plus opti. Attends, c'est quoi ça déjà? À toi. Moi je pioche. Je vais jouer. Oh mesdames et messieurs, jouer ça. Je vais faire serment de l'archidémon, je vais dire serment de l'archidémon, je vais le prendre en main. Insane. 1, 2, 3. Je perds 500. Hein. Il perd 500. Je vais. Alors, Xari, tu te retrouves acculé face à tant de puissance? Voilà, hein, tu m'étonnes. J'ai le pire deck du paf et. Ouais, c'est ça, ouais. ODD. Un mec qui a 31 000 points de vie, donc... ODD. Je vais dire à toi. Chat qui va hurler. Yes, je pioche. Hey, je joue à la fissure dimensionnelle. Alors, il va faire quoi, le mec? Absolument rien. Tu n'avais pas activé le sarcophage d'oreille? J'ai récupéré Gardien et Athos. Il l'a récupéré un tour avant, je crois. Mais bon, c'est pas... Non, c'est la deuxième stand-by phase. Ouais, mais... J'aurais juste... récupéré stand-by, et la deuxième stand-by phase, j'ai récupéré. Et ouais les gars, j'ai pas compté les tours. Du coup, fin de tour à toi. Ok. Pourquoi tu les mets là? Tu me poses une tire. Je sais pas. Mec voulait même plus la mettre au cimetière, elle en avait juste ras le cul. Ah j'ai malheureusement plus que 31 600 points de vie, Xari. Ah là, il a deux doigts de me terminer. Aïe. Exceptionnel. Vas-y, je vais conscription. Du coup, j'invoque ça spécialement. Ok. Je vais jouer serment de l'archidémon. Je vais activer le premier effet, je vais dire force de miroir. Je vais prendre. Ah oui. Ensuite. Pff, en fait, c'est quoi ta carte piège? C'est ça le truc, quoi. Ensuite, je vais jouer Dandy au diamant. Je vais faire le premier effet de Dandy au diamant. Oh, c'était pas une magie, je la dégage. Et voilà. C'est un monde d'archidémon, ça ne m'aide pas. Les points de Joy Ryan n'ont pas été mis à jour là. Xari, pardon. J'ai perdu moins 500, non, ça? Oui, avec la carte magique continue. C'est fini. Bon. Ouais. Pas de soucis. Je vais réutiliser serment de l'archidémon, je veux dire serment de l'archidémon, je vais le prendre. Donc ça te paye 500 aussi ça? Je reprends 500. Il repère 500. Aïe. Axari qui subit le coup de ses propres cartes. Je vais utiliser l'effet de Dandy au diamant, du coup je vais mettre ça au cimetière et je pourrai l'utiliser à la prochaine main phase. De la merde, je te dirai à tout à l'heure si je suis encore en vie. Non, là non. Là c'était l'effet de sa carte monstre en fait. Bon vas-y, je vais utiliser The True Name, je vais dire Guerrier du Blizzard, je vais prendre Guerrier du Blizzard et je vais invoquer Slifer du coup. Ah il est banni Slifer, merde. Je peux pas. Enfin je crois qu'il est banni.
Ouais, il est là. Ok. Ok. Ok, je vais faire ça et je vais attaquer avec tout. Ouais, bah ouais, ils ont combien 1400 ouais. Bah ça en fait du 1400, ça 4200. Je perds 4200 points de vie. Yes. Et c'est à toi. Il y a plus. J'ai plus de. Ouais, je me suicidais, mais je pensais que j'avais encore un sniffer en fait. Mais non, j'en ai que deux. Je crois qu'il y en a deux. Ok, la dame guerrière Dédé. Ouais. Et je vais attaquer Dandy au diamant. Ok, je vais faire force de miroir. Ah oui, non. Tu gagnes 1000 du coup de points de vie. Parce que... Ouais. Tchou. Je gagne 1000 points de vie. Et c'est à toi, Xari. Ok. Je vais jouer. Alors, je vais faire. Je vais flipper ça. Magicien de la foi. Et du coup, je vais récupérer. Tiens, ça. Hop. Je vais pas faire, l'effet de berceuse parce que ça me coûte 2000 HP. Ah, ah non, j'ai pas besoin de faire l'effet. J'ai pas besoin de payer 2000, on est d'accord? Bah non, puisque c'est le pouvoir de ton truc. On en avait déjà parlé de ça. En gros, c'est l'activation, mais sans la. Sans le malus. Ah ouais. Bah du coup, je vais faire l'effet, vas-y. Donc, berceuse, c'est. Je déclare un nom de carte monstre. Votre adversaire regarde son deck, révèle un des monstres déclarés s'il y en a. Et tu choisis soit. De me la donner dans la main, soit je l'invoque spécialement. Je choisis Bazou, je crois qu'il t'en reste un. Dans mon deck? Ouais. Je sais pas si t'as un Bazou ou pas. Je l'espère, pour toi. Et en fait, tu as totalement vu en moi. Donc c'est soit je la prends dans la main, soit je l'invoque spécialement, ce que tu veux. On l'invoquer spécialement, je pense, mais... Ça dépend si y a un effet, mais... Je sais pas, Xari, c'est dans ta main, voilà. Je la prends dans ma main, y a pas de souce. Tiens. Ensuite, je vais... Oh, yes, c'est une bonne carte, ça, MDR. C'est quoi, ça je vais sacrifier ça. Ah oui, ça, c'est banni. Mais et ça. Donc, tu gagnes 1000 encore. Et je vais invoquer Pluton, le dissimulé. Je gagne 1000 points de vie. Une fois par tour, je peux déclarer... Je chaîne avec Trap sans enfant. Yes. Activable uniquement, voilà. Et en gros, il est retiré du jeu. Et je regagne 1000 points de vie. Yes. Hop. Ensuite, je vais jouer Épée de Révélation de la Lumière. On va aller le chercher, les amis! Je veux dire à toi, bah là, gros, je peux pas jouer donc. Oh yes! Trop bien le bon meuble là. Mm-hmm. Ça te refait des points de vie, j'ai rien. Vu que tu as banni le monstre. Ouais, 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 j'ai redemandé 1000 points de vie. Ouais. C'est bon, c'est bon. J'invoque le bannisseur de rayonnement du fion à toi. Ok, moi je prends ça. Ah merde, j'avais une carte en trop tout à l'heure. Ah mais non, je regardais la carte, je me disais mais merde, c'est il a mon deck, mais en fait ouais, j'avais une carte en trop. Ah, fallait que tu défausses. Ouais, je vais défausser ça. Du coup, tu gagnes 500. Je gagne 1000 points de vie. Non, 500. Bah, ah oui, 1000. 500 fois 2. 1000. Ouais, encore, ouais. Ouais, les mecs en régie qui sont deux. Du coup, je vais faire l'effet de Dandy au diamant, je vais mettre ça là et je vais refaire l'effet de Dandy au diamant, je vais mettre ça là. Oh tiens, trou noir, OK, pourquoi pas. Ensuite, je vais sacrifier les deux là. Alors ils sortent. Tu gagnes 2000. Je gagne 2000 points de vie encore. Et je joue Pluton le dissimulé. Donc du coup je détruis une magie piège contrôlée par mon adversaire, je détruis ça. Ah oui. Et ensuite je vais attaquer. Non, ça c'est banni, donc tu gagnes 1000. Pourquoi les banni? Bah à cause de ça. À cause du banni. Ah du oui d'accord, c'est toutes les cartes lui. Ouais. J'attaque. Tu attaques? Ouais, tu perds 1000. Je perds 1000. Et elle est bannie celle-là ou pas? Non. Si, mais là, là je gagne 1000, je perds 1000 quoi donc. Ok, et ça va être. Ça va être à toi. C'est à moi. Ouais. Ah, c'est pas mal. Attends, deux secondes. Mais c'est vos cartes. Hein? Ouais. Plutôt fort quoi.
La trappe sans fond, elle était là avec le banisher, c'est ça? Trappe sans fond, quoi? J'ai rien compris. Quoi, de quoi tu parles? La trappe sans ton fond. Monstre à 1600 là. Est-ce qu'il était sur le terrain quand t'as activé trappe sans fond? Ouais, ouais, il l'a mis sur le terrain, ouais. Oui, c'était banni. Mais... Ah, c'était banni. Bon, je gagne 1000 encore, du coup. Je gagne 1000 points de vie. Bah, du coup, je vais mettre le grain Majou d'Aïsa. Donc là, il va falloir faire des calculs assez savants. Puisqu'en fait, l'attaque et la def de cette carte sont chacune égales au nombre de vos cartes retirées du jeu x 400. Non, c'est les tiennes, je crois. Il y a marqué les miennes, ouais. Égal au nombre de vos cartes retirées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça fait 4800. Donc elle a 4800, 4800. 4800, 4800, toi t'as 2600, mais je peux pas attaquer, donc c'est à toi. À moi. On va aller le meuler. Je vais jouer Bazou, le mangeur d'âme, et ensuite je vais activer l'effet de Pluton dissimulé. Je vais prendre contrôle de Grain Majou. C'est quoi, c'est... Attends, quel effet? L'effet de Pluton, le dissimulé. Oui, attends, attends, attends. C'est pas con, ça. Bah, je vais attaquer, hein, du coup. Alors... Une fois par tour? Ouais. Du coup, Grain Majou, il a mon son attaque ou il a l'attaque de mes cartes bannies à moi? Là, il a l'attaque de tes cartes bannies à toi. Ah non, attends, attends. C'est une fois par tour, vous pouvez déclarer un nom de carte. Regardez la main de votre adversaire, puis s'il a la carte déclarée dans sa main, appliquez un des effets. C'est trop facile, sinon. Non, ah, y a... c'est vrai. Au-dessus, il y a un effet, prenez le contrôle d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Ah. Ah non, mais les gars, le live a encore coupé, mais c'est incroyable. C'est sans déconner, chaque mardi, okay, le live cut, quoi. Et ben, je vais jouer cloche de cérémonie. Tu révèles ta main. Et Athos, homoncule doré et visage nécro. Ok, on doit jouer comme ça en fait. Ah, on doit en permanence? Ouais, tant qu'elle est face recto sur le terrain. Du coup, bah je vais dire. C'est un truc de ouf le mardi. Quoi, je vais dire visage nécro pour prendre ça du coup. Ouais. C'est jusqu'à l'infini quoi, tu le gardes à l'infini. Ouais. Ok. Et je vais attaquer du coup. Alors, du coup, elle a pas 12, j'ai que 11 cartes moi. Du coup, c'est 11 x 4 11 x 4, ouais. Donc 10 x 4, 4400. Donc 4400 plus 600, ça fait 5000, 7000, 7000. Je perds 7000 points de vie. Ce qui est plutôt pas mal. J'ai plus que 4 cartes au cas où. Faut que je tienne, quoi. Voilà. Je remélange, ça sert à rien, mais j'avais convulsion au-dessus. Voilà. Et ça, tu peux le faire une fois par tour, ça? Ouais. Et c'est à toi. C'est pas fort, quoi. Troisième tour des épées. Donc je suis obligé de couper de ce rang que je viens juste de relire la carte. Il doit déclarer un nom et le nom de la carte doit être dans la main de Geria. Ouais, ouais, c'est ce qu'il a fait après. Ouais, du coup, en gros, du coup, vu que j'avais pas, enfin j'avais mal joué, j'ai joué cloche de cérémonie. Du coup, il a révélé sa main, du coup j'ai pu le faire. Ouais. Mais c'est my bad. Ouais, j'avais fait de la merde. Donc du coup, tout à l'heure j'aurais dû le faire aussi, mais j'aurais fin de tour. Il n'y a pas de souci. Fin de tour. Du coup, ça c'est mort. Je pioche. Insane. Je vais jouer Bazou. Je vais faire ça. Et je vais bannir 3 cartes. 1, 2, 3. Du coup, Grain Majou gagne. Du coup, je gagne 3000 points de vie. Ouais. Je gagne 3000 points de vie. 3000 points de vie. Et Bazou gagne. Alors Bazou, il passe à 2500. Ouais. Et lui, il passe à. Et bah, il avait 4200. Il a 1200 en plus. Compte combien de cartes tu as et tu as le résultat ouais, direct. Ouais, je vais refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Donc 4 x 4. 5600. Ouais, 5600. Exact. 5600. Je réfléchis. Hein. Vous avez mis les trucs ou pas? Vous avez remis les plus 3000 ou pas? Non, yeah. On n'a rien ajouté. Ah. Non, non, moi je gagne 3000 points de vie. Ouais. 3000 et après moi je vais attaquer avec tout, donc 5600. 6200. 2500, 5, 6, 7, ça fait, bah, c'est 2500 là. Ouais. Donc 5600. Il y a 10700 en total. 10700, parfait. Et je perds 10700. Vas-y. Ça en fait des maths. Mais c'est à toi. Mmh.
Chiji a si peu de points de vie. C'est pas Wars de bannière. Non mais c'était juste pour voilà finir la phase, tu vois. Mais oui, évidemment, si je bannis 3, je gagne moins d'attaque que lui, il gagne de points de vie, mais c'est pas grave. On va tenter ce move et si ça passe pas, ben je pense que j'aurais perdu. Je vais invoquer le Green Majou d'Aïsa. Donc normalement j'ai toujours 12 cartes. Ouais, vas-y. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc il a 4800 pour attaquer ici. Bah GG. J'ai perdu. Ah bon ? De toute façon, t'avais juste à siphon ça en vrai. Ah si, mais attends, pourquoi ? Bah j'ai pris 3000 points de vie toi. Oui, mais gros, j'ai pas assez. 4800, 2600, tu meurs pas là. En effet. Et bah tant pis. Bah tant pis. Bon bah écoute, Zari qui c'était dur hein, la fin de duel. T'avais juste à attaquer. Oui, j'avais attaqué là, mais en fait je suis débile. Bon, en fait, bref. J'étais en pleine réflexion en mode juste ça, j'avais oublié tout ce qu'il y avait à côté. Je crois que t'avais. Non, beaucoup plus d'attaque. Non, j'avais le létal en plus, juste débile. Non, mais je sais pas combien il avait d'attaque en fait, je pensais qu'il avait genre beaucoup plus d'attaque. Non, mais c'est pas grave. C'est la pire fin de tous les temps, mais je crois que cette game nous a ramolli le cerveau. Si tu me tuais pas là, en fait, t'avais perdu. Mais... Oui, c'est ça. Mais... Non, mais juste. Je pensais que tu me tuais. On a été très bêtes. Je pensais que tu me tuais, du coup, j'ai annulé. C'est bon, il y a tout. J'ai rage kit, mais en vrai non, je pensais vraiment que j'avais perdu. Non. My bad. C'était moi, j'avais juste un typhon d'espace physique, ça caché, j'attaquais Bazou, il était mort. Mais bah en fait non, parce que Bazou il a 2500, donc en gros je pouvais survivre encore un tour. Ouais. Bref, parce qu'après en gros j'attaquais ton Jirai Gumo avec le mien qui avait plus. Et du coup après Mais je mourrais pas parce que j'avais encore 20k. Oui, bah, et après... en fait au tour d'après, ce que je voulais faire c'était l'assaillant, c'était me suicide sur ton truc, c'était banni et après je t'ai tué. L'assaillant DD, en gros, quand j'attaque, après le calcul des dommages, il bannit les deux, donc je récupérais encore 2000 points de vie. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on sait pas. Oh là là, c'était dur, les amis! On se retrouve dans quelques instants pour un Octogone spécial 2v2, animateur avec joueur pro. Voilà, hein, ça va être assez oui, merci, incroyable. Merci beaucoup. On remercie l'arbitre encore une fois qui a été présent Phoenix. Ce soir. Mais on a bien retenu nos leçons parce qu'au final, on n'a pas été de si mauvais élèves. Exactement. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'Octogone. À tout de suite. Yes. Bonne soirée.